Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité depuis bientôt 5 ans, où je vous accompagne dans la préparation de vos concours et examens professionnels dans la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un peu pédagogique sur finalement qu'est-ce que c'est que la gestion du stress. Qu'est-ce que le stress ? Souvent, le stress, on va le représenter par une balance. Vous imaginez une balance avec deux plateaux. D'un côté, vous allez mettre votre perception de vous-même, de vos compétences, de vos qualités, de vos ressources, bref, de votre capacité à réussir le concours ou l'examen professionnel que vous présentez. En face, vous allez mettre la représentation que vous vous faites du niveau attendu pour ce concours ou cet examen professionnel. Vous voyez bien, si vous vous dites « Bon, moi, je suis nulle, de toute façon, je n'y arriverai jamais, je rate tout le temps, c'est des épreuves trop dures pour moi, et puis j'étais nulle à l'école. » Balance du stress tout en bas. Et dans l'autre plateau, vous me mettez tout en haut, et puis c'est hyper dur, c'est extrêmement sélectif, tous les autres candidats sont meilleurs que moi. Pouf, votre balance est déséquilibrée, vous êtes super stressé. Tout l'enjeu de la gestion du stress, c'est d'apprendre à venir rééquilibrer ces plateaux de la balance. Non, vous n'êtes pas tout nul. Non, vous n'avez pas toujours tout raté dans votre vie. Oui, vous êtes un bon professionnel, vous avez travaillé, vous êtes à votre place, vous êtes légitime. C'est possible que vous réussissiez. Et non, en face, on va désacraliser un peu. Hein. Tous les candidats sont peut-être pas excellentissimes. Les jurys ne vous veulent pas du mal. Le concours n'est peut-être pas inaccessible. Objectivez les choses. Voyez, c'est le point important à retenir. Objectivez ce qui se joue dans votre balance. Le stress, c'est une perception, c'est un ressenti. Attention, ça ne veut pas dire que c'est faux, que ça n'existe pas, que vous ne ressentez pas les conséquences du stress. Ce que ça veut dire, c'est que si vous arrivez à modifier le regard que vous vous portez sur vous-même, sur vos capacités, vos compétences, vos ressources, que vous arrivez à modifier le regard que vous portez sur le niveau des épreuves, sur les exigences du jury, vous allez pouvoir rééquilibrer votre balance. Et ça, comment faire? En objectivant les choses. Puisqu'il s'agit d'un ressenti, puisqu'il s'agit d'une perception, ce que je vous invite à faire, c'est d'émettre la possibilité, objectivement, que vous pouvez réussir parce que. Et là, vous allez vous appuyer sur des faits objectifs. Parce que vous êtes reconnu au travail, parce que vous avez travaillé depuis longtemps, parce que vos galops d'essai pour ceux qui en ont fait se sont bien passés, parce que les gens qui vous connaissent et qui travaillent avec vous vous disent objectivement, sincèrement, tu es capable de réussir. Tu ferais demain un très bon secrétaire administratif, attaché, rédacteur ou administrateur, quel que soit le concours que vous passez. De la donnée objective pour venir rehausser votre niveau. Et en face, de la donnée objective de quel est le niveau réellement attendu par les jurys, quelles sont les grilles d'évaluation, qu'est-ce qu'on me dit dans les rapports du jury. Peut-être que je connais des gens qui ont réussi. Est-ce que vraiment j'estime qu'ils sont à ce point au-dessus de moi? Je ne pense pas. Donc vous voyez, objectiver les choses pour vous donner de bonnes raisons de vous dire « je peux réussir ». De venir changer cette perception de « oh là 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 là, ça va mal se passer, c'est sûr, ça va être horrible, je vais être noué, je ne vais pas pouvoir parler » par « je suis à ma place, je peux réussir, il y a toutes les raisons pour que ça se passe bien ». Dans une deuxième petite vidéo, on parlera justement des techniques. Concrètement, comment en coaching de préparation de concours, je peux vous accompagner pour mieux gérer les conséquences de ce stress et donc vous permettre de réussir le jour venu. Alors, pour ne rien manquer de cette deuxième vidéo ou de toutes les autres, abonnez-vous !